Sociale. Ah mais je suis sûr qu'on va vers une explosion sociale. J'en suis sûr parce que toute la situation se dégrade. Bon, on a discuté de la flambée des prix et de cette inflation qui est devenue insupportable pour tous ceux justement dont les salaires étaient bloqués. Mais je pense que la situation s'aggrave encore avec... Il va s'aggraver encore avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Parce que là on bascule dans une nouvelle période, très clairement, hein, une déstabilisation économique complète. C'est une tension sur l'énergie, mais pas seulement, sur l'alimentaire aussi. Ce sont des marchés qui vont être stoppés, hein, des perspectives de profit, de développement qui sont arrêtées nettes. Vous avez un certain nombre d'entreprises en France qui déjà sont ralenties, hein, parce qu'elles manquent de matières premières venant d'Ukraine ou venant de Russie, voire arrêtées. Je peux vous dire que pour déjà des dizaines de milliers d'ouvriers, de salariés, de techniciens, eh bien, ils rebasculent dans l'angoisse du chômage partiel et en se disant, mais ça va redémarrer un jour.